Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme promis, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il fait le début de la semaine et aussi la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine passée, c'est le début de la semaine que nous venons de commencer. C'est pourquoi nous devons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons lui remercier, reconnaître ce qu'il a fait et prier avec le psaume 132. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, remercier le Seigneur, c'est un devoir pour nous, ses enfants. Remercions-lui avec les chants, avec les psaumes, avec les harpes, les guitares, tout ce que nous pouvons faire pour lui remercier, puisqu'il nous a fait des merveilles. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Omomalalongo. Seigneur, souviens-toi de David, rappelle-toi toute sa peine. C'est lui qui jura au Seigneur et fit sauver à l'indomptable de Jacob. Jamais je ne rentrerai sous ma tente, jamais je n'irai m'éteindre sur mon lit, jamais je ne laisserai mes yeux se fermer, ni mes paupières céder au sommeil avant d'avoir trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour l'indomptable de Jacob. Nous avons appris qu'il était à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne d'Oya. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son piédestal. Lève-toi, Seigneur. Viens en ton lit de repos.
toi est l'arche où réside ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient leur joie. À cause de David, ton serviteur, ne congédie pas ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David. C'est la vérité, il ne la reniera pas. C'est quelqu'un sorti de toi que je mettrai sur ton trône. Si tes filles gardent mon alliance et les exigences que je leur enseignerai, leurs fils aussi siégeront à perpétuité sur ton trône. Le Seigneur a choisi Sion, il a voulu pour résidence, et il sera toujours mon lieu de repos, j'y résiderai, c'est elle que j'ai voulu. Je bénirai ses ressources, je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai du salut ses prêtres et ses fidèles qui iront leur joie. Là, je ferai germer la vigueur de David et je préparerai une lampe pour mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui son diadème fleurira. Amen.
Seigneur. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci pour ces promesses que tu nous donnes aujourd'hui, que tu nous béniras avec notre ancêtre David. Tu nous as dit que tu nous béniras et tu béniras nos ressources et nous serons rassasiés par les pains que tu nous donneras. Merci Seigneur, nous te faisons confiance et nous savons que tu ne mens pas. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vécu, nous témoigne de ta présence Seigneur et nous montre que tu es vraiment à côté de nos Seigneurs. Merci Dieu, merci Fils, merci Esprit Saint, Dieu, dans toute sa sainte Trinité, nous te remercions Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.